C'est parti pour la première phase de vaccination contre la Après, il faudrait Covid-19 en étudier Savoie. peut-être Une que en première phase fait. dédiée aux professionnels de la santé les plus à risque et aux personnes âgées en EHPAD, comme ce matin à Jacob Bellecombette. On est là dans l'organisation des premiers centres. Il y a un centre qui a été créé à Chambéry. Et la semaine prochaine, d'autres centres vont se créer dans les différents points de la Savoie pour que les professionnels puissent aller rapidement et facilement se faire vacciner. Au total, l'État prévoit l'installation de 6 centres de vaccination sur le territoire de la Savoie, des centres qui accueilleront une cible de public de plus en plus large dans les semaines à venir. Le département de la Savoie est, lui, un acteur associé à cette campagne pour l'organisation des centres, pour aider les établissements dont il a la charge, ainsi que pour aider à la campagne de vaccination à domicile. L'achat des vaccins a été fait au niveau national. Il faut rappeler, comme cela a été dit, qu'au niveau national, il a été un choix que la vaccination est gratuite, ce vaccin est gratuit, et que là, le département s'associe plutôt dans la mise en œuvre de la vaccination. Le département est évidemment présent dans cette campagne de vaccination, d'abord parce que nous partageons avec l'État la responsabilité du secteur des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'enfance, et puis parce que nous avons au département des infirmières, des médecins qui vont se mobiliser également à titre personnel pour aider à cette campagne de vaccination qui pour l'instant commence par des publics ciblés, les personnes âgées, les personnels soignants et qui va bien évidemment au fil des semaines s'élargir à toute la population. Une vaccination qui sera également très prochainement proposée aux agents du département en contact avec les personnes les plus vulnérables.